Le jour comme la nuit, sans qu'on le sache, les yokai sont ici. Ils sont partout pour notre grand malheur. Pour le désordre, ce sont bien les meilleurs. Eh bien salut les amis, c'est Kermendo et on se retrouve aujourd'hui pour le 100e épisode de Yokai Watch 2. Allez les amis, laissez plein de pouces bleus pour ce 100e épisode. Je ne pensais jamais un jour sur ma chaîne faire une série à 100 épisodes. Je pense que vous non plus. C'est génial. Donc pour ce 100e épisode, ça fait pas mal de temps que je le prépare. Et ben on va faire le Bingokai de la Voix du Mystère. On va faire les 4 Bingokai de la Voix du Mystère parce qu'au final, et ben chaque pièce de Bingokai, chaque type de pièce de Bingokai ne peut être utilisé que sur le Bingokai en question. Donc là, on va faire celui de la Voix du Mystère normal, qui est quand on lit les versions Esprit Farceur et Phantom Buffy. J'ai 10 pièces. Donc on va les jouer. Là, il n'y a aucun yokai vraiment exclusif. Il n'y a rien de oufissime. Donc on va jouer nos pièces. Mais bon, vous attendez pas à un truc de dingue. Hein. Là, c'est vraiment pas les trucs de dingue. Ce qu'il va y avoir de dingue, c'est que par contre, j'ai 20 essais pour les suivants. Moi, je sais pas si je l'ai déjà. Je l'ai peut-être pas. C'est cool, ça, non? Attendez. Ok, parce qu'on va essayer de compter combien de nouveaux yokai on a dans cette vidéo aussi. Bah on commence déjà par un nouveau yokai, donc c'est très bien. Alors les amis, donc je vous disais... voilà, bah, là j'ai que 10 pièces à jouer, parce que voilà, c'est un bingokai qu'on a déjà fait. Donc je vais en jouer 10. Mais pour les 3 autres bingokai, j'ai 20 pièces. Donc pour les 3 autres bingokai, on jouera 20 pièces chacun, hein, pas 20 pièces en tout. Donc ça va être un peu mieux. Bon, une poupée d'or, c'est très bien. Ça vaut 100€. Ouais, je crois que c'est la poupée de platine qui vaut 300€, donc 100€ c'est déjà très bien. Allez... Une autre pièce mystère. Là, franchement, je vais vite. Comme je vous ai dit, bon, je ne m'attendais à rien avoir d'intéressant. Au premier essai, on a déjà eu un nouveau yokai. Donc, quand je dis rien d'intéressant, bon, voilà. Je pensais à ce genre de choses, en fait, quand je disais rien d'intéressant. Mais sait-on jamais, on peut avoir des trucs cool. Je sais pas quel yokai il peut avoir dans ce bingokai, celui du voix de la de la voix du mystère. Dynamo, je pense pas, hein. Chouchoute, ces trucs-là, ça m'étonnerait, hein. Psygazouille, je l'ai pas non plus. Ouais, donc Psygazouille, est-ce que je l'ai ou pas? Voyons voir. Eh ben non, je l'ai pas non plus, les amis. Ça vient de commencer, la vidéo, il y a même pas 3 minutes, et on a déjà 2 nouveaux yokai, c'est pas mal. On a de la chance, parce qu'en fait, ce bingokai, je dis que je l'ai déjà fait. Ouais, je l'ai déjà fait une fois, avec vous. Après, je l'ai jamais refait. Donc, voilà. Alors, pour gagner des pièces de ce bingokai, eh ben, il faut aller battre le boss, vous pouvez le battre une seule fois par jour, et il vous donne des pièces. C'est tout, une seule fois par jour. Donc voilà, j'ai dû le faire pendant 10 jours pour avoir toutes les pièces en question. Mais c'est pas grave, ça m'a occupé, c'est pas grave les amis, ça ne me dérange pas. Donc allez, il en reste plus que 5. Mm-hmm. On doit faire un chemin et on doit battre un boss avant d'arriver aux pièces de... Oh ! Ouais, bon, d'accord. Je m'attendais à un gros truc de dingue. Bon, ça va. C'est bien, mais je m'attendais à mieux. Mais ouais, donc on est obligé de faire un chemin et de faire un boss avant d'arriver au Bingokai, mais comme je vous ai déjà montré le chemin plusieurs fois, et le boss, enfin les boss, je vais pas vous les remontrer. Je les remontrerai pas, je vais vous les passer dans la vidéo. Un yokai? Non. Ouais, une poupée de fer, c'est... Ça c'est le pire truc, voilà. Là c'est le pire truc qu'on a eu de la vidéo, hein, obligé. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Alors faut savoir que c'est l'épisode des... 10 bananes pierres précieuses. Parce que normalement on peut avoir les 10 bananes pierres précieuses dans pas ce bingokai là, mais dans les 3 autres. Donc je sais pas combien je vais en avoir, il y en a 5. J'aimerais bien en avoir au moins la moitié. Mais je sais pas. J'ai quand même 60 essais, donc 60 essais pour 5. Puis en plus c'est pas des dorés, hein, c'est pas des rangs S. Il me semble que c'est des rangs A, donc ça devrait le faire. Oh! Ah, Volatrice. Ah, je l'ai déjà, Volatrice aussi. Volatrice, c'est...
Ça aurait été utile de l'avoir plus tôt, je pense, parce qu'en fait, Volatrice, c'est quand même un yokai qui a un truc du Bingo-kai, un saut du Bingo-kai. Bon, allez, dernière pièce mystère, les amis. Voyons voir. Je croise les doigts. Hein. Je croise les doigts. Mais j'ai pas besoin de beaucoup de chance pour ça. Ça, je me moque un peu. Ok, une poupée d'argent. Bon, ça aurait été 10 essais un peu mitigés, mais bon, sur 10 essais, on a quand même de nouveaux yokai, donc c'est pas mal, mais passons à la suite. Et nous voici dans la route des farceurs. Alors la route des farceurs, c'est la route qu'on débloque en liant esprit farceur et fantôme psychique. Donc voilà. J'ai 20 pièces mystérieuses sangliers. Donc jouons-les les amis, c'est le moment de me laisser des pouces bleus et des commentaires pour me souhaiter bonne chance. Parce que là, c'est vraiment le moment où j'en ai besoin. Ok, d'accord. Ce qu'elle est belle. T'as des os charmants, puis je les vois. Ce sont quoi? Ce sont des rangs A ou des rangs B? Je crois que c'est des rangs A. Donc ça veut dire qu'on les trouve dans quoi? On les trouve dans quel genre de... Dans les rouges peut-être? Ah bah c'est un nouveau yokai, ok. Troisième nouveau yokai, très bien. Mais quand même, on doit les trouver dans les sphères rouges. Enfin, dans les sphères. Enfin, vous m'avez compris, c'est pas des sphères, mais dans les capsules rouges, voilà, dans les capsules rouges. Parce que les dorés, ça peut pas être ça. Enfin, quoi qu'ils soient... Ouais, non, ils sont rares, mais c'est pas des rangs S, comme j'ai dit. Donc non, ça peut pas être dans les dorés. Bon, voyons voir. Là, pour le moment, on n'a pas beaucoup de chance. Hein. On a utilisé que 2 sur 20. Il est possible qu'en 20 essais, j'en ai aucun hein, de JBN pierre précieuse. Ce serait étonnant, mais c'est possible. Où est-ce qu'il pourrait pas être dans une bleue? Non, les bleus, à mon avis, c'est les rangs... Je crois que les rouges, ça doit être les rangs A et B. Et les bleus, c'est les C, D, E, non? Non, c'est les CD et les gris, c'est les E. Ouais, je sais plus exactement. Alors, une rouge. Ouais, bon d'accord, une méga X-Porb. Non, mais sérieusement, attendez, ils vont pas me faire le coup, là, ça fait longtemps que je prépare cet épisode. Il me faut au moins un Dibania pierre précieuse. Au moins un. Allez, s'il vous plaît. On croise les doigts, les amis, on croise les doigts. Mettez des trèfles dans les commentaires. C'est même pas un yokai, même c'est très bien. Une poupée d'or dans un truc bleu. Je savais pas que c'était possible, mais c'est très bien. C'est très très bien. Je vais pas m'en plaindre non plus. Alors. Ok, maintenant. 14e. Enfin, enfin, il en reste plus que 14. Ok, encore une rouge. Il nous titille, hein. Il nous titille. Oh, Gratoptère. Bon, en tout cas, ça fait des rares à trouver en moins. Parce que je crois que lui non plus je l'ai pas, donc ça fera des rares dans les lives à avoir en moins. Ah si, je l'avais déjà. Moi j'ai dû l'avoir au Bingo Kai normal alors. C'est possible parce qu'il y a des yokai qu'on trouve ici qu'on peut avoir aussi au Bingo Kai normal. Hein. C'est pas que des exclusifs ici bien entendu. Hein. Il y a même surtout pas d'exclusifs. Il y en a très peu d'exclusifs à part les pierres précieuses. Voilà quoi. Ok, Kapaloa, mais on a des très bons yokai quand même. Hein. Kapaloa. Mais je crois que je l'ai déjà aussi. Non? Ouais, je l'avais déjà aussi. Bon, en tout cas, j'ai des bons yokai que je pourrais peut-être échanger. Ça, on verra. Alors, maintenant, je vais commencer à stresser quand on sera à la moitié de mes essais. Là, on n'y est pas encore, donc ça va. Mais je commencerai à stresser à la moitié. Ok, Vampiloc. Vampiloc, je crois que je l'ai pas. Et c'est très bien parce que Vampiloc, j'avais galéré à l'avoir dans le Kawatch 1. J'avais abandonné, je crois même, non? Donc comme ça, on n'aura pas essayé de l'avoir. Eh bah oui, voilà, on vient d'avoir Vampiloc, très bien. Là, on est en train vraiment de retirer le stock de yokai pour les lives, hein. Ça c'est cool. Bah, comme ça complète notre médaillon, c'est très bien. Comme ça, on n'aura pas à perdre du temps sur des yokai très rares, on pourra rester sur des yokai un petit peu moins rares et plus faciles à avoir. Donc c'est bien. Est-ce qu'elle est belle, si vous voulez? Donc là, vraiment, le seul yokai important de ce Bingo Kai, c'est l'un des... Divinium pierre précieuse. Mais je sais pas lequel. Parce que dans les pièces mystérieuses sangliers, il y en a un. Dans la route des bouffies, il y en a un autre. Et les trois autres sont dans le dernier. Race. D'accord. C'est pas un rouge. Bon. Grand histoire. Mais bah là, les amis, je commence à stresser. Parce que là, on est à la moitié. On est à la moitié, on l'a pas encore eu. Donc je commence à stresser. Là, il reste plus que 10 essais. Ah là 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 là. S'il vous plaît, me faites pas le coup. Hein. Me faites pas le coup. Un rouge, en plus il me titille, là comme pas possible. Oh mais ce qu'elle est belle, mais je m'en moque, ils vont me la donner combien de fois ce qu'elle est belle? Ce qu'elle est belle, j'étais content de l'avoir au début, forcément. Maintenant c'est bon, j'en ai assez, ce qu'elle est belle. Enfin, tous ces yokai, je vais pouvoir les convertir en âme, hein, donc... Enfin, quoique des âmes de niveau 1, c'est pas grand-chose en fait, hein, c'est vraiment pas ouf, mais bon, c'est déjà mieux que rien.
Ça, j'ai mis que rien. Oh là là, encore. Non. Vampiloc. J'y crois à chaque fois. Je sais pas vous, les amis, moi, à chaque fois, j'y crois. C'est pas possible. Oh là 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 là. J'y crois à chaque fois et pourtant, ça n'arrive pas. Allez. Non, c'est une bleue. Enfin, peut-être que ça peut être dans une bleue, mais quoique. Je crois que j'ai jamais vu de yokai dans une bleue. Enfin, peut-être au bingo kai normal, mais au bingo kai de la voix du mystère, j'ai jamais vu de yokai dans une bleue, il me semble. Hein. Enfin, en tout cas, depuis le début de cette vidéo, il me semble pas. Après, bon, je j'ai peut-être pas fait attention. Donc, c'est possible que si, mais que j'ai pas fait. Ah! Ok, donc il peut y avoir des yokai dans les bleus. Donc, c'est peut-être un bleu en fait, hein, parce qu'Alfonseo, c'est un rang A, hein. Ouais, donc ils peuvent se trouver dans les bleus, je pense. Alfonseo, je l'ai déjà, non? Ouais, je l'ai déjà. Je crois qu'en fait, on va retomber un peu sur le même yokai tant qu'on n'a pas les exclusifs, comme je vous ai dit. Hein. Ça va être un peu la même chose, en fait. Allez. Oh, un doré? Non, ça peut être bien. Hein. Oh, sérieux? Sérieusement? Capaloa qui tombe dans une rouge et après qui tombe dans une bleue, dans une dorée. En fait, ça peut rien dire. Hein. Alors peut-être que le pierre précieuse, il peut aussi être dans un doré. Alors là, je stresse beaucoup parce que j'ai plus que 5 essais. Hein. C'est rien du tout 5 essais. J'en avais 20, quoi. J'ai une chance sur combien de l'avoir? Ok, poupée d'or. Non, mais je vais être riche. Ça, c'est sûr. Je vais être riche. Je vais être riche en âme. Je vais être riche en argent. Mais alors, je sais pas si je repartirai avec les yokai que je voulais. Allez, c'est le 100e épisode! Donnez-moi ce qui nous faut! Donnez-nous ce qu'il nous faut! Alfonseo, encore. Qu'on avait déjà de base, hein, je répète. Mais bon, on a déjà eu combien de nouveaux yokai? Alors 4 ou 5? Je ne sais même plus, je crois qu'on a eu 4 nouveaux. C'est bien. C'est bien. Une grise, non, ça c'est nul. Ankinoko? Non, Noko il peut pas arriver. Il peut pas arriver ici. Pourquoi? Si, il y a pas de raison pourquoi Noko il pourrait pas arriver ici. Oh, plus que 2 essais. Je ferme les yeux. Et qu'est-ce qu'on va voir? Un yokai? Non! Alfonseo, sérieusement? Mais c'est pas possible! Bah, faudrait que je fasse des échanges avec vous. Si l'un d'entre vous a le yokai pierre précieuse et exclusif à cette zone, il faudra qu'on échange. Quoique, attendez, c'est pas fini, hein. Je vais pas me porter malchance. Voyons voir. Oh non. Une grise. Ok. Bon. Ça commence bien. On a eu aucun pierre précieuse. Bon, bah, on va voir dans le suivant. Eh bien, nous voilà maintenant dans la route des bouffis. Donc, c'est justement l'endroit qu'on débloque en liant la version Spectre Psychique et Phantom Bouffi. Voilà. Donc, c'est les pièces Mystère Serre. J'en ai 20 aussi. Et on y va, les amis. Souhaitez-moi bonne chance. Laissez-moi des pouces bleus parce que... Non, je suis pas encore au moment de me dire que j'aurai aucune pierre précieuse. Je pense que j'en aurai quand même. Peut-être qu'une, mais j'en aurai. J'en aurai, c'est sûr. Oh, poteau morose! Très bien, donc finalement il y a eu des yokai différents dans les différents bingo kai. Bah c'est très bien parce que Potomorose je ne l'avais pas non plus. Donc comme ça, eh bien, ça fait un yokai de moins, comme je le dis à chaque fois, à rattraper. C'est très très bien, on ira voir à la fin de l'épisode, si j'y pense, mon pourcentage de complétion du médalium. Mais il a dû augmenter d'un ou 2% dans cet épisode, donc c'est très bien, c'est très bien. Donc à combien je dois être? 77%, quelque chose comme ça. Voilà, ça va pas être un Rubinian ou quoi, vous allez voir. Bon, Potomorose, d'accord. Bon, Potomorose, j'étais très content de t'avoir, hein, bien entendu, mais bon, j'aurais été très content de t'avoir une fois. Hein. Pas la peine de t'avoir deux fois. Hein. Alors, ok, 18, non, ça va, ça va. Pour l'instant, je le sens. Je le sens pour ces essais. On va voir, mais... En tout cas, jure, si j'arrive à avoir un yokai pierre précieuse. Donc, baissez le son. Hein. Baissez le son, surtout. Non, je vais pas autant hurler que pour Extra Bouki. Je vais essayer de me retenir. mais je vais être super content. Je vais être super content quand même. Un noir, donc ça, c'est très bien. Bon. Bon. Bah, écoutez. Ça se trouve, je l'ai plus. Ça se trouve, quelqu'un me l'avait envoyé en aller-retour et je l'ai plus. Donc ok, merci. Mais bon, c'est clairement pas ouf. Hein. Enfin, je suis sûr que plein d'entre vous seraient contents de l'avoir parce qu'ils l'ont pas encore eu. Mais non, c'est... Je peux l'avoir au Bingo Kai normal.
Mais bon, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est juste qu'il n'était pas nouveau. Oh, ok, s'attendre. Bah, s'attendre aussi, ce sera en moins à voir. Donc c'est très bien. Non, on lui donne pas de nom. Je l'avais pas, hein. Ah si, je l'avais déjà. J'avais déjà s'attendre. Je suis étonné. Je m'attendais pas du tout à ce que je l'ai déjà eu. Quand est-ce que je l'ai eu? Bah au Bingo Kai aussi, tout bêtement, parce que je l'ai jamais chassé s'attendre. Enfin, dans les Kawatch 1, oui, mais pas dans les Kawatch 2. Oh! En fait, la prochaine fois que je vois un doré, enfin sur ce Bingo Kai, je dois pas m'exclamer parce qu'en fait ça va être encore plus amoureux, c'est ça. Mais c'est bien, j'ai des yokai rares, peut-être que certains d'entre vous les voudront contre des yokai pierres précieuses. Mais les yokai pierres précieuses sont quand même ultra rares aussi, donc j'en suis pas sûr. Ok, une mode des Gaïx Form. Ça me sert à rien les Mega X-Form, hein. Je suis déjà à la fin du jeu. Tous les yokai de mon équipe personnelle sont niveau 99, donc j'en ai strictement rien à faire. Rien du tout. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Ok, un rouge. Je l'ai déjà. Quoique, peut-être pas. Contracto. Ouais, Contracto, je l'ai peut-être pas. Je l'ai dans Mega Watch 1, mais dans Mega Watch 2. Ouais, je l'avais pas. Non, c'est bien aussi. J'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de compter combien de nouveaux yokai j'avais eu dans cette vidéo. Mais en tout cas, même si on n'a pas eu de, bah même si, c'est pas encore fini, hein, on n'est pas encore à la moitié. Mais même si on n'aura pas de Jibenya une pierre précieuse, on aura eu quand même plein de nouveaux yokai et ça aura pas été un épisode pour rien finalement. Il aura été plutôt utile en fait. Non mais Potomoros, attendez, on l'a dans un rouge, on l'a dans un bleu, on l'a dans un doré. Il manque plus qu'on l'ait dans un noir maintenant. Non, on l'a eu dans un noir, non? Non, c'est pas lui qu'on avait eu dans un noir. Non, c'est Gecko qu'on a eu dans un noir. Gecko. Il manque plus qu'on l'ait dans un gris, quoi. Et dans un noir, oui. Pourquoi pas? Non, 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 me faites pas ça, hein, me faites pas ça. Ok, un rouge. Yes! Yes, les amis, c'est bon! Mon dieu! On a Topanian! Donc, le premier Jibanian, pierre précieuse de cet épisode. On en a un sur cinq, voilà. Comment l'ascenseur émotionnel jure, et puis deux secondes après, mais on en a un sur cinq, voilà. Ça redescend. Non, c'est très bien, c'est très bien. Parce que je pense que justement, moi je m'en moque en fait des Jibanian et pierres précieuses, c'est juste pour compléter mon médalium. Donc si l'un d'entre vous, sur Twitter, a le Jibanian pierre précieuse de la route des farceurs, mais n'a pas celui de la route des bouffis, donc n'a pas Topanian, il pourra venir me dire, on peut se faire un échange. Pas forcément aller-retour, hein, ça pourrait être un échange définitif, hein, je te l'envoie, tu me l'envoies, voilà, moi je m'en moque, hein, du moment que je complète mon médalium. Mais donc voilà, hein, n'hésitez pas à venir me dire ça sur Twitter, bien entendu, je ferai ça que si j'ai le temps, mais pourquoi pas, allez. Donc le Yukai Topanian est sorti. C'est marrant qu'il m'ait fait sortir maintenant. J'en avais justement envie. Ouais, bah moi aussi j'avais envie de te débloquer, hein. C'est les mêmes médailles que dans Yuka Watch 1. Il n'y avait pas de raison que ça change, hein. Alors, voyons voir. Top Miaou, Topi, Chat Jaune et Charlize. On va l'appeler Topi. C'est mignon, Topi. Allez, Topi. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Togepi. Voilà, ça me fait penser à Togepi. Ah, ils sont à côté des Jibanyan fruits. Mais attendez, ça fait 10 Jibanyan à la suite. Non, ça fait même 6 Jibanyan. Il y a combien de Jibanyan fruits? 10 ou 6? Il y en a 6, je crois. Ça fait 11 Jibanyan fruits, enfin, ça fait 11 Jibanyan spéciaux côte à côte. Bon, voyons voir si je réussis à en avoir un double. On sait jamais, hein. On sait jamais. Ok, Vexturgeon, je l'ai déjà, je crois. Je sais que je l'ai dans Weeble Wobble. Et j'étais super content de l'avoir parce que je l'ai au Bingo Kai, il est rare. Mais là, je l'ai ou pas? Ouais, je l'avais déjà. D'accord. Bah oui, de toute façon, on est obligé de l'avoir, parce que de toute façon... enfin, on n'est pas obligé de l'avoir, mais il débloque un saut du médalium. Donc ouais, ouais, enfin, je l'avais déjà eu, vu que j'ai tous les légendaires. Alors, voyons voir ce que c'est, là. D'accord, un grand X-Porp, ça c'est vraiment nul. Enfin, quoi qu'on a déjà eu une poupée de fer, donc bon, je vais pas me plaindre, parce qu'en fait, on a eu pire, hein. La poupée de fer, c'était vraiment pire. Bon, allez. J'aurais un peu la rage, quand même, si j'ai un second Topanian, alors que j'ai pas eu la pierre précieuse de l'autre truc. Bon, une poupée d'or, c'est bien aussi, hein. C'est bien. C'est parce que deux poupées d'or égale un livre. Vous savez, je parle des livres, par exemple, Secret de l'âme, etc. Donc c'est bien. C'est bien, ça pourra renforcer mon équipe, parce que toute mon équipe est pas encore au max, je crois. Ok, un rouge. Ok, Contracto. Contracto que j'ai déjà. Que j'avais même, non pas encore, avant le début de cet épisode, mais que j'ai déjà maintenant, donc bon, bah... Okay, très bien. Maintenant, pièce mystère sert
Il me restera plus que 5 essais après celui-là. Non, je le sens pas venir, le deuxième. Je sens pas venir le deuxième Topanian, là. Bon, déjà, encore contracto. J'ai l'impression que malgré que ce soit qu'un rang A, entre guillemets, les Jibayan pierres précieuses, ils ont quand même un moins haut taux d'apparition. Enfin, genre, ils sont plus rares que les rangs S de ce Bingo Kai. Quoique non, parce qu'au final, des rangs S, j'en ai pas eu beaucoup. Là, par exemple, j'ai eu que Giko qui est rang S, Potomorose, il est rang S. Je crois que Potomorose est rang S aussi, donc ouais, non. Oh! Samouraï! Oh bah, là, samedi, je voulais partir en chasse de Samouraï! Bon bah, on chassera pas Samouraï samedi, parce que c'est bon, je l'ai. Samouraï. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, bah, on va pas lui donner de nom, non, mais... ah, je suis refait! Je suis refait, je voulais vraiment partir à la chasse de Samouraï, je vous promets. Finalement, on a pu le faire. C'est cool. Yeah, j'envoie le bout du médaillon de Yuka Watch 2. Il y a moyen qu'on le complète à 100%. Yuka Watch 1, j'en voyais pas le bout, mais là, il y a moyen qu'on y arrive. Je sais pas combien de temps ça prendra, mais il y a moyen qu'on y arrive à un moment. Ok, poupée de bronze. C'est quoi le pire? Non, la poupée de fer, c'est pire que la poupée de bronze. Heureusement, on en a eu qu'une seule poupée de fer depuis le début. Heureusement. Hein. Alors, et maintenant? Je crois qu'on a eu tous les yokai possibles de Spring Yokai. Ouais, poupée de bronze. Ouais, vu qu'on a eu Giko, Potomorose, Contracto, Lamou, Topanian... Je pense qu'on a eu tous les yokai exclusifs de ce Bingo Kai, hein. Enfin, pas exclusifs, vous m'avez compris, mais... qui était dans ce Bingo Kai et pas dans les autres. Ouais, avec Surgeon, j'avais oublié d'ailleurs. Ok, avec Surgeon, on abandonne. On dit non. Ensuite, la dernière pièce mystère, allez. Moi, je vous ai dit, je le sens pas, le doublon de Topanian. Moi, je sens pas qu'on va avoir un deuxième Topanian. Par contre, on va peut-être avoir un bon truc. Giko, peut-être encore? Non, Vexurgeon. Ok. Non, c'est un bon truc aussi, Vexurgeon, mais... Non, maintenant, je suis content de tout ce que j'ai de ce Bingo Kai depuis que j'ai Topanian, donc pas de problème. Maintenant, voyons voir le dernier. Et voilà, les amis, la grande route dorée, donc la dernière étape de notre vidéo. Alors là, il y a 3 Jibayan pierres précieuses. Donc, est-ce que ça veut dire qu'au final, vu qu'il y en a 3, j'ai plus de chances de tomber dessus? Je pense que oui. J'ai moins de chances d'avoir les 3, bien entendu, mais j'ai plus de chances d'en avoir au moins un. Je dirais quand même. On va voir. Une lettre funeste? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être un objet de fusion. Vu qu'il est dans un truc doré, ça doit être un objet de fusion, mais alors à qui? Bah si vous le savez, dites-le dans les commentaires. Ça se trouve, c'est ouf et je devrais être en train d'hurler, mais je ne sais pas, là. Moi, j'en ai absolument aucune idée, hein, je ne connais pas. Attendez, on va avoir que des dorés ou quoi, là? Bon, alors c'était peut-être ouf la première fois, mais bon, l'avoir une deuxième fois, c'est certainement pas ouf en fait. Je pense pas que ce soit un objet si oufissime si on l'a deux fois de suite. Puis là, vous allez voir, je vais le revoir une troisième fois. Non mais là, j'hurle, mais dans le mauvais sens. Hein. Ah ah. Bon, j'ai pas trop hurlé, parce que je voulais pas briser vos oreilles, mais c'est quoi cette histoire? En fait, c'est nul cet objet, je l'ai trois fois de suite. Dans une dorée, dans une rouge. Non, mais c'est pas ça que je veux. Me le redonnez pas. Hein. Ah. Je l'ai déjà. Ouais, je l'ai déjà. Donc, non, ça nous est égal. J'ai d'ailleurs Ressac aussi. Donc, y a personne de la famille que j'ai envie d'avoir. Absolument pas. Bon, voyons voir. Allez, s'il vous plaît, un Jibayan pierre précieuse. Un mini X-Porb? Alors c'est quoi le plus nul? Une poupée de fer ou un mini X-Porb? Non, parce que là je crois que ça se bataille tous les deux entre quel est le plus nul. Je sais honnêtement pas lequel des deux est le plus nul. Parce que le mini X-Porb c'est vraiment vraiment nul, hein. Ça ne sert à rien. Mais ils veulent vraiment que je le fasse fusionner ce yokai là. Parce que je sais pas, je fais que de l'avoir cet objet. Genre, mais what? Mais j'en ai rien à faire. Mais gardez-le pour vous. Ne me le redonnez pas, hein. Ok, grand par. Bon, c'est bien, grand par, je crois que je l'avais pas. Et grand par, c'est aussi un yokai très rare. Donc non, c'est bien. On va voir si je l'avais pas déjà, hein. Ouais, non, je l'avais pas déjà. Rala, comme le bingo-kai se remplit, ça fait plaisir. Et j'ai personne de la famille. C'est le premier de la famille que j'ai. Attendez, je vais regarder quand même si c'est un objet de fusion, le truc qu'on vient d'avoir. Genre un objet clé ou un objet de fusion? Ça peut pas être un objet clé.
Ça peut être un objet clé. Ça, c'est sûr. Donc, dans les objets. Voyons voir. Ben non, c'est bizarre, ça devrait être ici, c'est un objet de fusion. Attendez, attendez, c'est bizarre ça. Lettre funeste, où est-ce qu'il est ce truc? Non mais c'est une blague. Lève la malédiction des yokai maudits et maudit les autres, plus de dégâts aux perfides et moins de dégâts aux non-perfides. C'est une blague, c'est 7 objets qu'ils m'ont donné en 5 fois! Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est même pas un objet de fusion! Non mais attendez, me le redonnez pas là, hein. Sinon je crie au scandale. Ah non, 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 me le redonnez pas. Hein. Ok, c'est bon, c'est pas ça. Oh, sirop! Oh, je l'ai pas. C'est bien. Je l'ai plein de fois en Weeble Wobble. D'ailleurs, dans Weeble Wobble, eh ben, je l'ai amené à son niveau d'âme ultime max. Non, non, on va pas lui donner le nom. Donc c'est très bien. Mais par contre, bah je l'ai pas dans Yo-Kai Watch 2. Donc c'est super. Mais j'ai Feulion et Vermilion. Donc, bah, ouais, ok, cool, j'ai complété la famille. Non, mais franchement, j'aurais eu énormément de nouveaux yokai dans cette vidéo. Moi, je pensais que la vidéo, j'allais avoir les 5 yokai pierres précieuses et voilà, hop, fini, emballé. Et non, en fait, je les aurais pas eu, j'en aurais eu un, peut-être deux, on sait pas encore. Mais je suis content d'avoir eu tous les autres yokai. Ça va vraiment être des yokai en moins pour les lives et c'est cool. Comme ça, franchement, moi, je le sens, le 100% du jeu. Je le sens. Je le sens arriver. Ok, un rouge. Non! Toi, ils vont pas me refaire le coup quand même 3 milliards de fois non plus, hein? Ouais, c'est très bien, Siro. Non! Va-t'en, va-t'en, va-t'en. On t'a assez vu. Parce que là, il me reste plus que 10 essais. Ouais, 10 essais. J'avais combien? J'avais 70 pièces. Ouais, donc c'est le septième de la vidéo. Le dernier septième. C'est bien aussi. Bastata, c'est un rare que je n'ai pas. Donc c'est bien aussi. Enfin, que je n'ai pas. On va voir ça dans quelques instants, mais il me semble pas que je l'ai eu. Bah, oh si! C'est la déception quand tu te rends compte que là, oh bon, bah, ça va, c'est pas grave, t'as un yokai qui est rare. Ah bah oui, mais je l'ai déjà! Ouais, ça c'est la déception. La grosse déception. Et là, une méga X-Porb encore. Alors ça, au niveau des X-Porb, on aura été refait dans cette vidéo. Vraiment refait, là. Si je voulais commencer un challenge, j'aurais de quoi faire au niveau d'X-Porb. Bon, bon, bon. Ok. Non, pas encore un Bastata, quoi. En plus, Bastata, il est quoi? Il est rang A max? Rang B? C'est un rang B ou un rang A, quoi. C'est pas plus que ça. Donc c'est vraiment bof 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 hein. Vraiment bof. Non mais allez-y, donnez-nous une nouvelle pierre précieuse. On n'a qu'une sur cinq. C'est déjà bien parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont zéro. Mais attendez, j'ai 60 fois et sur 60 fois j'aurais eu une pierre précieuse. C'est qu'ils sont vraiment vraiment rares. Hein. Et d'ailleurs, je vous le dis parce que je l'ai déjà expliqué, mais je l'ai pas expliqué dans cette vidéo. Ça sert à rien de sauvegarder avant de jouer au Bingo Kai, d'aller jouer au Bingo Kai, d'utiliser toutes les pièces, et ensuite, si on n'est pas satisfait, de quitter, de revenir, et faire notre sauvegarde, et de rejouer. Ça sert à rien, parce qu'on aura toujours la même chose, en fait. Le Bingo Kai, il n'est pas actualisé, en fait. On aura la même chose en boucle. Donc ça sert vraiment à rien. Parce que j'aurais pu faire ça, mais non, non, ça ne sert vraiment à rien. Ok, encore un sirop. Non, mais j'étais content la première fois, hein. J'étais vraiment super content. Bon, après, à mon avis, Yokai comme sirop et tout ça, ils doivent donner des âmes à l'âme chimie qui peuvent être vraiment pas mal. Ça, à mon avis, doit avoir des âmes plutôt cool. Genre qui augmentent l'attaque ou l'esprit, des trucs comme ça. Donc ça peut être bien. Mais bon, c'est pas ça que je veux. C'est pas du tout ça que je veux. Parce que d'un autre côté, les yokai comme Siro, je peux les avoir sur la map. C'est rare, mais je peux les avoir sur la map. Alors que les yokai comme les Jinbanyan et pierres précieuses, on ne peut pas les avoir sur la map. C'est impossible. Ils n'y sont pas. Il n'y a que là, que dans ces bingokai. Un doré. Bon, un exploit sacré. J'aurais préféré quand même une poupée de platine, mais bon. Donc là, il va me rester quoi? Deux essais? Oh non! Non! Les deux dernières pièces, papillon! Ok, puis en plus, là, c'est nul. Mais vraiment, vraiment nul. Ok, mini export. Mais comme je vous dis, ça se bat entre la poupée de fer et le mini export pour ce qu'il y a de vraiment plus nul. Hein. C'est vraiment la bataille. Allez, les amis, on croise les doigts. Allez, allez, allez! Un doré. Eh bien c'est nul. Eh bien c'est nul les amis. Tant pis. On aura eu un truc bien. Et c'est tout.
Parce que là, j'ai bien plus de pièces, donc je vérifie. Je vérifie que j'ai plus aucune pièce. On sait jamais. Non, j'en ai plus aucune. Donc voyons voir quand même notre Topanian. Bon, au moins vous savez comment les avoir, les yokai pierres précieuses. Même si j'aurais été intéressé aussi par les avoir. Pas juste savoir comment les avoir. Donc qu'est-ce que c'est que tous ces yokai? Ah oui, ok, c'est ça. Donc voyons voir. Un Jibanyan de Topaz. Devenir ami avec lui signifie que tu as une chance innée. Ouais, on en reparle de la chance innée. Augmente les stats d'un voisin avec le même talent. Bah ouais, quand t'as les 5 ensemble. Griffe acérée, d'accord. 10 fois A, haute tension 80. Âme ultime, Topapate. 15 fois 10, il attaque tous les ennemis avec ses pattes en Topaz. Bah, c'est exactement comme la fureur du chaton, hein. L'envoûtement rend les stats d'un allié aussi brillantes que du Topaz. Donc ça les rend super fortes, c'est ça? On dirait bien. Eh bien écoutez les amis, on va rester là pour cette vidéo de Yokai Watch 2, ce 100e épisode. Je ne referai pas ce Bingo Kai. Hein. Ah, j'avais dit que je faisais un autre truc. Je voulais vérifier où on en était. 78%, c'est bien, c'est mieux que je le pensais. Donc oui, je ne referai pas ce Bingo Kai. Comme j'ai dit, si vous voulez qu'on fasse des échanges, bah, venez me voir sur Twitter si vous avez des Yokai pierres précieuses. Mais ça m'étonnerait quand même que j'arrive à voir les 4 qui me manquent. Hein. Mais bon. Sait-on jamais, hein. En tout cas, merci les amis, merci à tous d'avoir suivi cette série qui n'est pas finie, mais merci à tous de l'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus parce qu'il y a un nombre incroyable de pouces bleus sur toute la série. On a été en tendance énormément de fois sur plus de la moitié des épisodes et c'est juste dingue. Donc les amis, eh bien, merci à vous, grand cœur sur vous, et donc eh bien à la prochaine. N'oubliez pas le live samedi. Samedi, on se retrouve à 16h pour un live. Donc eh bien d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!